Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Donc je viens de taper un petit peu partout. Un astéroïde donc. Ok, on y va. Nous sommes toujours dans l'exploration des différents systèmes que nous avons au tout début de cette aventure avec une caméra étrange. Je crois qu'il manque quelque chose, je crois qu'il manque une vision du vaisseau. Parce qu'on le voit pas du tout et j'ai l'impression que c'est pas normal. Alors, nous sommes dans le champ de l'astéroïde, effectivement. Ok. C'est assez moche, hein, je veux pas dire, mais... Oui. Ok. Et donc, c'est bon, ouais. D'accord. Parfait, nous avons ici Corvat. On va aller voir Corvat alors. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans cette visualisation. Il y a comme des effets qui manquent. Ou... Je ne saurais dire. Je ne saurais dire ce qu'il en est. Ok. Drôle de planète bien plate, encore une fois. Enfin, on dit bien plate, mais... Ok. Juste ce qu'on vient de voir, j'imagine. H480, bah oui, bien sûr. Direction l'autre planète. Je trouve ça quand même bizarre comme effet. Bizarre est loin d'être à niveau en fait. Par exemple, Elite Dangerous, c'est un million de fois plus beau. D'accord, c'est bon. Rayeur. Allons voir. Hein. D'accord, hop. Voilà. C'est bon, nouveau système de fait. Comprenez pourquoi je suis un petit peu sceptique, hein, finalement. Il n'empêche en tout cas que c'est intéressant. L'exploration était forcément présente dans ce jeu, hein, de toute façon. Dommage qu'elle ne soit pas folichon en termes de gameplay, si je puis dire. Oula. Il va y avoir un orage là, non? D'accord, étrange. Pourquoi pas? La suite. La suite. On va là-bas. Il y a un trou noir, on va pas là-bas tout de suite. On ira après. C'est mieux comme ça. Ouais. Ok, c'est bon. Black Planet. Ok. Tu t'appelles donc H461. Effectivement, tu es une planète moisie. Pourquoi pas? Bon, allons voir ce fameux trou noir, chers amis, que vous rêvez que j'aille le voir depuis le début. Avouez. Avouez, chers amis, avouez. J'avoue rien. Bon, allons-y. Alors, dans ce trou noir, hein, c'est ce qu'on appelle communément un anus. J'ai pas trouvé mieux, désolé. Effectivement, c'est un trou, et c'est noir. Oh oui, je veux scanner le trou noir. Prudence, conseiller. Duck. Carte du secteur. Peut-être qu'on va avoir quelque chose à faire de sympa là-dedans à Piteas. À Piteas, c'était un truc sympa à Piteas. Oui, c'est l'étoile là-bas, je la vois.
quatrième jusqu'au matin, c'est pas ça la phrase de Peter Pan? Planète Eos, d'accord. La première étape devait être facile jusqu'à ce que personne ne vienne et qu'on s'en prenne plein la tronche deux fois. La détection de fréquence. Qu'est-ce qu'on entend, Sam? Je reçois un signal pionnier. Je recommande d'examiner immédiatement Eos. Eh ben écoute, on y va. Tu as réclamé et tu obtiens ce que tu as réclamé. Merci, Sam. Excusez-moi, j'ai des crampes dans la main parce que j'ai une mauvaise assise sur mon siège. De toute façon, je devrais jouer debout. Je devrais faire beaucoup de choses debout. Ok. Bonjour planète, c'est moi le pionnier. Je vais être le colon de ta vie. Un signal identique à celui de l'habitat 7. Possible manipulation atmosphérique. C'est possible? C'est ce qu'on va voir. Si c'est comme sur l'habitat 7, on va sûrement tomber sur des cartes. Dac. Dac, dac, dac. Ok, pas de soucis, ça m'intéresse. Confirmation de sortie. Oui, je veux débarquer du tempête. Merci. Ce sont effectivement les lames qui m'intéressent. Ici, je n'ai pas particulièrement envie d'autre chose. Et pour ça, ça me semble très très bien. En termes d'équipe, je ne vais pas prendre Liam. Je vais prendre Vetra avec moi. Et bah, je vais garder Cora. D'accord. Puisque c'est la seule qui est du... Des implants biotiques. Ok, ça me semble bon. On y va! Puis sortir avec des femmes, c'est tellement mieux! J'espère qu'on est tous prêts. Calo? Ok. J'intègre la zone de recherche de Sam. Je me demande vraiment comment il a pu détecter ce signal dans la tempête. Un assemblage neuronal multisensoriel. C'est fou. Tout m'a l'air opérationnel. Il y a toujours eu cette espèce de dialogue entre les deux. Vous bidouillez déjà les moniteurs? Ça nous donnera des relevés bien meilleurs que ceux qu'on a reçus du Nexus pendant des mois. Oula, il y a un mec juste derrière moi. Hein. Quoi? J'ai dit, beaucoup de gens ont placé leurs espoirs en nous. Eos les a refroidis. C'est compréhensible. On leur promet un monde en or, et ils voient leurs amis y mourir. Certes. On ne sait pas comment ça peut... Pardon. Ça ira? C'est mon rôle, le pionnier. J'ai l'entraînement, les hommes, les moyens. On peut le faire. Pionnier, tempête opérationnelle. On est prêt. Dac, c'est parti alors. Normalement, il devrait pas avoir besoin d'appuyer sur les boutons vu que... Vous n'imaginez pas depuis combien de temps j'attends qu'un pionnier dise ça. Vu que Sam est une IA, il a pas besoin d'appuyer sur les boutons. C'est bon pour moi. Bouclier, ok, angle ajusté. Ça va le faire, hein? Putain de merde! On va quand même pas se retrouver coincé sur Eos. C'est joli, cela dit. C'est très 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 joli. Posez-nous sur ces coordonnées. Dac. Oh, je vois des choses intéressantes en bas. On voit aussi que l'arbre était en animation 30 fps. C'est une technique qu'on va appeler plus souvent, c'est certains objets inutiles ne sont pas en 60 fps mais restent animés en 30. Gain de puissance. Mon casque. Je serais mieux avec mon casque. Voilà, merci. Les rapports indiquent que cette planète subit des tempêtes mortelles contaminées par les radiations du fléau. Le déploiement sur Eos a été interrompu par des dangers environnementaux et par la suite des individus hostiles. Ils n'avaient pas de pionniers non plus. Si Eos est comme la... Je change de position. Non, excuse-moi, je chie dans la colle. Ils auraient dû savoir qu'elle ne tiendrait pas le choc dans ces conditions. Comment ils auraient pu savoir? Ils n'avaient pas de pionniers. Je suis là maintenant. D'accord, ça c'est le snipe. Ça c'est pas le bon bouton, Marcus. Ça c'est pas le bon non plus. J'arrive. Non, regroupez-moi, regroupez-vous. Je cherche le bouton. À chaque fois je le cherche.
Non, reviens, 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 reviens. C'est pas ça que je veux, chers amis, c'est... C'était ça, tout simplement. Ok. Bon. Ok, on y est bon. Iron Man. Il y a un code. Le site 1 fonctionne avec des codes de sécurité individuels. Chaque avant-poste organise son propre protocole. Contente-toi de dire qu'on a besoin d'un code pour l'ouvrir. Ouverture impossible sans code. Voilà. Qu'est-ce que ce bordel? Ok. Cette analyse nous fournit d'importantes données de recherche pionnières. Continuez à scanner et collecter ces données. Nous pourrons développer de nouvelles technologies et améliorations pour vos armes et armures. Dac, merci. Pour l'info. Pour moi, quelque chose d'intéressant dans le coin. D'accord, un datapad. Ok. J'ai trouvé une carte. C'est pas ce que je voulais faire. D'accès. Ça nous permettra d'enfuir notre nécessaire. Première perte aujourd'hui. Une tempête est venue de nulle part. Leclerc a essayé de protéger nos plantations. Il a perdu l'équilibre et il s'est fait emporter. Sa femme est toujours en cryo. D'ici son réveil, je saurai peut-être comment lui annoncer ça. D'accord. Analyse botanique. Moi, je suis consciente en botanique. Nouvelle entrée. Qu'est-ce que tu nous caches, Eos? Les plantes présentent sporadiquement d'incroyables poussées de croissance en dépit d'un environnement aux tempêtes de sable suffisamment violentes pour décaper la peinture. Je pense que la source de ce phénomène est électromagnétique. J'ai été une sorte de signal, un signal clairement alien, mais ce n'est pas mon domaine. Je ne sais pas s'ils ont envoyé de façon délibérée. J'en ai relevé le vecteur. Fin l'enregistrement. Tac. Donc il y a bien quelque chose de pas clair. Par contre, ce serait cool que tu portes un casque, voire une armure. Ok. Porte hors service, pionnier. Elle est restée trop longtemps sans alimentation. Pionnier, cette porte est verrouillée. Tant que le courant n'est pas rétabli, il n'y a aucun moyen d'entrer dans ces bâtiments. J'y travaille. On ouvre du lithium, ok. Capsule d'omnigel, ébullition incendiaire, d'accord, ok, parfait. Que demande le peuple, hein, comme on dit. Datapad. Ok. Un code, comme celui qu'on a déjà trouvé. Ok. Tiens, c'est quoi ça? De la fluorite, je ramasse. Vu qu'on a trouvé un code, on peut pouvoir entrer dans ce bâtiment-ci en tout cas. D'ailleurs, il y a des bâtiments que j'aurais pu aussi visiter par là, mais je l'ai pas fait. Vas-y, ouvre. Ok. Portail d'habitat d'initiative, ok. Conteneur. Bonjour. Électrode de soudure bobinoïde, d'accord, ok. Je sais pas trop à quoi ça me servir, mais j'imagine que c'est comme dans tous les bons jeux maintenant, des... La porte principale était alimentée, mais pas les portes intérieures. Une station relais opérationnelle serait nécessaire pour tout faire fonctionner. D'accord. Que l'antenne est hors tension aussi. Les registres... Message pour Nick Tanioupoulis. Ça jase ici, les gens disent qu'Eos n'est pas viable. Que rien ne se passe comme prévu, je crois que tu devrais entrer. J'espère que tu vas dire... Je sais que tu vas dire, je n'ai pas rejoint l'initiative pour rester enfermé dans une boîte de conserve flottante, mais je te promets que tu pourras la voir dans l'aventure, plus tard, quand ils auront eu le temps de garantir ta sécurité. Maman m'a dit de m'assurer que tu ne te lassais pas, que tu ne te laissais pas dépasser par les événements, pardon, je trouve que la police n'est pas bien choisie. Oh là, je parle plus français. Blah, voilà. Réfléchis-y au moins, pour moi. Et donne-moi des nouvelles plus souvent. J'ai l'impression d'être maman, à m'inquiéter tout le temps. J'en ai déjà rangé tout l'ongle de mon petit doigt. Et j'aimerais autant garder les autres. Mais ça dépend de toi, je t'aime. Oh, c'est mignon. Bonjour, parlons de dérange à nouveau. J'ai demandé des nouvelles de Léa Wells il y a quelques jours et je n'ai pas eu de réponse. Il semble que mon message n'ait même pas été ouvert. Tout va bien là-bas? Répondez-moi dès que possible et t'es Léa de me contacter. D'accord, oui, je pense que la fameuse Léa n'était pas en forme. Elle n'allait même pas très bien. Forme. Hop. Scan. Conteneur. Ok. Du fer. Et le fer à 10 sous. C'est pas cher. Terminal. Écoutez. En
Addison pensait à quoi quand elle nous a envoyés ici? Eos ça avait peut-être l'air parfaite quand on était dans la Voie lactée, mais maintenant, c'est l'enfer. Fartingale, ne me lâche pas. Elle veut qu'on reste positif et qu'on garde la tête haute pour le reste de l'équipe. Ça tombe logique. Je peux pas m'empêcher de penser que je vais mourir ici. Ouais, c'est pas très positif comme pensée d'ailleurs. Ok. J'ai une partie du registre, mais je peux pas allumer l'antenne. Le courant est bloqué. Un verrou a été activé à distance. Les interférences proviennent d'un relais d'alimentation à proximité. D'accord. Ça ressemble grosso modo à un piège en fait. Allons jeter un coup d'œil à ce relais. Regardez cet endroit. C'est un désert. Les radiations dans l'atmosphère d'Eos sont défavorables au développement de la vie. Des radiations? Nos combinaisons nous protègent, hein? Le site 1 dispose de pylônes déflecteurs pour atténuer les effets de la contamination. Mais si jamais on quitte les armes du site 1, je vous le déconseille vivement. Nous sommes une planète radioactive, mais on se dit que des fois, avec un peu de bol, ça pourrait se résister. Pionnier, cette porte est verrouillée. Tant que le courant n'est pas rétabli, il n'y a aucun moyen d'entrer dans ces bâtiments. Conteneur, j'ouvre. Aimant de spectro-M exogénie. Ça ressemble à du pillage. Et récent. Quelques jours à peine. Qui d'autre est ici? Je sais pas, mais je pense qu'on va bientôt le savoir. Ok. Structure droit devant. Sam? Cette structure a toutes les caractéristiques d'une station relais, pionnier. Dac. Tiens. Si on la remet en marche, le courant devrait revenir dans les bâtiments. Croisons les fesses et serrons les doigts alors. Pionnier, cette porte est verrouillée. Tant que le courant n'est pas rétabli, il n'y a aucun moyen d'entrer dans ces bâtiments. Comment je suis censé y rentrer alors? Il y a une porte, attendez. Crac. Ok. Bon, ça me semble bon. On y va. Pousse-toi. Faut croire que c'était pas un vaisseau Kert. Ils sont pas du genre à toquer à la porte. Il y a des gens ici? On pensait que tout le monde était parti. Ça m'étonne pas. Maintenant, vous vous trouvez-vous un autre coin de récup. Ici, c'est pris. Coin de récup? Qui êtes-vous? Donc vous êtes un récupérateur. Vous avez un nom? Moi, c'est Ryder. Clancy. Je gagne ma vie honnêtement en... Attendez, Ryder? Comme le pionnier? Ouais. Le Nexus a beau se prendre des vestes à répétition, il n'arrive pas à faire une croix sur Eos. J'ai détecté un signal qui va aider Eos. Bah, ma coiffure doit être terrible. J'ai seulement besoin de courant pour l'antenne. Si j'ai coupé le courant, c'est pas pour rien. Les cartes sont de patrouille aujourd'hui. Si vous rallumez le relais d'alimentation, ils vont voir qu'une jolie cible les attend ici. Je m'occupe des cartes. Aidez-moi à rallumer le relais d'alimentation et je m'occuperai des cartes. Vous êtes cinglé. Mais peut-être dans le bon sens du terme. Merci. D'accord. Je vais activer les générateurs. Rares sont les personnes qui savent qu'il y a un bon sens. C'est votre problème. Merci. Attends, c'est pas modélé. Risque d'avoir des ennuis après avoir démarré les générateurs. Erreur dans la séquence de démarrage. Une intervention manuelle est nécessaire. Et merde. D'accord. Analysez l'un des pylônes pour déterminer un emplacement d'intervention piratable. Ok. Ça suffit pas là? Ok. C'est un pylône à activer ça? Ah putain, faut que je le grimpe, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Non? Ah bah voilà. Tu vois quand tu veux. Hop. Mais du coup on sait pas attaquer ni rien parce que je pensais que ce serait le genre d'attaque. Le générateur est en marche. Et con, t'arrives à monter. Ce cher Clancy, il faisait partie du personnel de l'avant-poste. Négatif, pionnier. Les registres du Nexus a... Sérieusement, Ryder. Ça lui pleut pas que je lui monte sur le vaisseau. Ah, c'est pas ce que je voulais. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, ok. Connexion au générateur possible. Emplacement marqué.
Crac, c'est bon. Vous pouvez allumer les lumières. Salut. On a de la compagnie. Ah, voilà. J'entends, mais je ne vois pas. J'ai rien dit. Hop. Pas mal comme sniper ça. Je suis bien avec le sniper hein. Bah non, il est limite. Ok. Protection activée. Ok. Ah, ça a passé de portée ça. D'accord, intéressant. Ça me plaît. Hop. Ok, merci. Vas-y, crame, ça te va bien. Merde. Voilà, merci. Cible neutralisée. Crac, c'est bon. Pas pour les Kert. Le snipe est très mauvais, je sais pas pourquoi la je l'ai pris. Est prête à être activée, pionnier. Dac, merci. On a quand même des points de compétence à mettre, on va aller les mettre. C'est bien, fuite de sniper, hein. Je suis bien d'accord. Hein. Fuite précision, bah putain, je suis pas convaincu. Hein. Parfait. Points de compétence. On va avoir besoin de tout ça. Fusil de... outil de combat, c'est quoi ça? D'accord. Omni-grenade, ça m'intéresse pas pour l'instant. Fusil d'assaut, par contre, ça peut être intéressant. Voilà. Oui. Nouveau profil livré, porte-étendard. D'accord, ok. Faire défiler le texte. Je ne peux pas. Nouveau profil livré, franc-tireur, d'accord. Atteint le rang 1, ok, pourquoi pas. Ok, calmez-vous, explorateur. Pouvoir biotique, pouvoir tech. Tech. Drain d'énergie. Est-ce que je peux mettre des points? Non, c'est 3 points ici, j'imagine. Forcément, ok. Ben, on va garder les points actuels. On va aller voir Cora. Cora qui va se remettre des points dans la charge aussi, au passage. Et voilà. Crac. Vetra, je n'ai pas encore mis de points à toi. Armure assistée, d'accord. Ok, tir percussif, ça peut être. Contrebande. D'accord. Voilà. D'accord, ça me semble parfait. Ça me semble parfait, ça me semble parfait. Ok, profil. Portée standard, dégâts de corps à corps, force de corps à corps, vitesse de recharge des pouvoirs biotiques. Tout ça c'est intéressant. Franc-tireur c'est plus le sniper. On va passer sur explorateur. Ça peut être intéressant aussi ça. Ouh. Ouh, 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 ok. Tu veux pas m'ouvrir la porte ici, ce serait vraiment cool de ta part. Non? Dommage. Y'a des caisses de munitions dans le coin? Ah oui, juste ici. Merci! Merci! Hop, c'est bon, on y va. Crac. Accélère!
Hello, Clancy. Bon, là, il est juste derrière la porte. Vous avez abattu toutes ces cartes? D'accord, utilisez le relais. Prenez ce que vous voulez, d'ailleurs. What? Juste un petit conseil. Si votre signal se trouve au-delà du périmètre, il vous faudra un véhicule. Un véhicule? Ouais. En fait, par ce vent, c'est pas l'idéal. Il va vous falloir des roues. Je crois qu'ils en ont gardé en réserve. Je vais aller voir ça. Je vais refaire le tour de l'avant-poste. Il s'agit pas juste d'en trouver. J'espère que vous serez plus malin que nous. On retourne à notre navette. Continuez comme ça. Peut-être que la prochaine fois, on trouvera mieux que de la ferraille par ici. Avant tout, on peut faire affaire, peut-être? Je suppose que vous n'avez rien qui pourrait nous servir. Ah, lance-roquette Cobra, d'accord, consommable rare. Raptor, fusil de précision Raptor. Qu'est-ce que j'ai sur moi, bah, déjà, de base? Dans mes fusils de précision, d'accord, j'en ai pas. Lui, il a des fusils de précision, par contre. Un Raptor à 800, mais j'ai pas suffisamment de crédit. Je peux vendre ça aussi si je veux. Mais je sais pas, en fait, pour l'instant, comme j'ai pas suffisamment de combat dans le nez, je pourrais pas dire. Ah, tu veux plus du tout l'en vendre, d'accord, ok, j'aurais peut-être dû faire gaffe. Au reste, ok. Conteneur, crac. La veuve, comparer, non. Si on peut comparer. On va le prendre. Voilà. Peut-être avoir enfin un vrai fusil de précision. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Commande d'alimentation de l'avant-poste, c'est bon. Bon, commande du relais d'alimentation, commande d'alimentation activée. Courant rétabli. On devrait avoir accès à l'intégralité du site 1. Pas vrai, Sam? Exact. J'ai également localisé la source du signal qui provient d'une structure alien située juste derrière le site 1. Elle est très similaire à celle que votre père avait utilisée pour rétablir l'atmosphère de la planète précédente. Vous devriez aller vérifier. Tout à fait. On dirait presque qu'on a une piste. T'as bien raison, Sam. Allons vérifier. Attention aux radiations au-delà du périmètre du site 1. Elles sont au-dessus des limites acceptables. N'y allez que si vous avez un meilleur équipement. Raison de plus pour aller voir si cette structure alien peut modifier cette planète. Tout à fait d'accord. Trouver le véhicule dont parlait Clancy. Il a entièrement raison sur ce coup-là. Maintenant que le courant est rétabli, nous pouvons explorer les bâtiments alentour. J'aimerais juste m'assurer que je n'ai rien oublié. Cool. Première porte, elle se situera juste ici. Oula, c'est pas exactement là que je voulais aller, mais ça va faire l'affaire. Si seulement les murs pouvaient parler. Il se trouve qu'avec suffisamment de données sensorielles, il est possible de reconstruire une image du passé. Oh, c'est vache. Tu peux faire ça? Ça a vraiment marché. Il y a du son? Compilation en cours. T'es sérieux là? On ne pas à une autre attaque. On doit déjà combattre les tempêtes et les radiations. C'est triste, regardez les bouches et les mains. Ces choses. On ne peut pas retourner sur le Nexus, la queue entre les jambes. Tout le monde là-bas compte sur nous. Ils ne compteront bientôt plus que sur des cadavres. Merde alors. C'est sinistre. C'est sinistre. Ouais, tout à fait d'accord. Et je pense que du coup, en tant que pionnier, on va en voir tellement plus que les gens normaux, et du coup, ça va pas forcément être mieux psychologiquement pour nous, finalement. Registre audio. Wilcox me prend pour un fou, mais je sais ce que j'ai vu. Il y avait des yeux qui nous observaient depuis les montagnes. On n'est pas seul ici. Cet enregistrement date de la veille de la première attaque des Kert sur le site 1. M'étonne pas. Les Kert faisaient du repérage. Ok. Ce qui n'est clairement pas bon signe. Soyons honnêtes. Ok, d'accord. Bon, ce bâtiment-là est fouillé. Fouillé de chez fouillé, d'ailleurs. Hein. On va fouiller tous les bâtiments, chers amis, quand même, sait-on jamais. Tout dépend de ce qu'on va y trouver, cela dit. Et quand je dis fouiller, je pense qu'on va tous les refouiller. Maintenant que l'électricité est remise, enfin le courant est rétabli, plutôt, on va dire.
des choses à y voir, finalement. D'accord, ce datapad, je l'ai déjà vu. Profondité, Grèce, Sito, Tennessee en chef. Nouvelle entrée, Kotari doit arrêter de se regarder le nombril en pensant aux monolithes et à ceux qui les ont construits. On a besoin de ses spéculations. Si ça ne permet pas de produire de la nourriture, d'arrêter le vent ou de terminer le projet spécial Sigma, ça ne fait pas partie de nos priorités. Son équipe est en train d'inspecter ces grosses structures, et même si je suis sûr qu'ils feront du bon travail, j'ai placé un tracker sur son véhicule au cas où. Code de suivi du véhicule, Grèce Delta 9. D'accord. Alors, vous voyez, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que finalement, il n'y a aucune confiance dans les gens qui étaient là pour la station. Absolument aucune. Pour moi, c'est peut-être un des plus gros problèmes. Donc. Pionnier, oui. J'ai suffisamment de données sensorielles pour reconstruire. Attends une seconde. Une image. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnier. Je t'écoute. Vous êtes allé faire un tour dehors ? Eos n'a rien d'un monde en or. Je n'ai pas dit que ce serait facile, mais on peut y arriver, Wilcox. On n'a pas le choix. J'ai l'impression d'écouter des fantômes. Ouais, c'est un peu de ça, ouais. Café de nouvelle sangle en cuir, d'accord, ok. Ça, nous l'avons déjà vu. Parfait. Suite. C'est quand même assez glauque, parce que le fait qu'il y avait cet énorme manque de confiance, ça bloque entièrement... Bah, tout ce qu'on pouvait créer cette planète, parce que justement, le désespoir ayant pris d'assaut plus la planète que tout ça, il n'y avait plus moyen de construire quoi que ce soit derrière. Quoi. Enfin, je me comprends, mais enfin, je peux comprendre aussi que le principe c'est que si vous n'êtes pas unis, les mecs, j'ai bien vu d'ailleurs, mais vous inquiétez pas, je viens de le voir, hein. On l'avait déjà vu tout à l'heure vu en se posant. Je crois que c'était soit une navette, soit autre chose. Est-ce que là, voilà, du coup, on va avoir accès à toutes ces portes. Porte. Hello there. Conteneur. Vanadium, parfait. Crac, terminal. Journal, clé donnée Terry Freaks. Ils ont encore augmenté le rationnement. Menu ce soir, de la soupe et un ou deux biscuits par personne. J'espère qu'on sera suffisamment rassasié pour consolider le bâtiment sud demain, mais on ne peut rien y faire. On ne peut pas sortir chercher de quoi manger à cause du climat mortel, les cultures ne résistent pas à des vents pareils, et le Nexus a déjà du mal à nourrir le personnel à son bord. Non, il ne faut pas y penser. Certains parlent de retourner à bord du Nexus, puis si on ne trouve pas de solution, qu'il fera. On a eu le courage de laisser notre empreinte ici, d'être les premiers, Théo et moi avons juré de rester jusqu'au bout, même s'il ne doit plus rester que nous. Fin d'enregistrement. Ça, vous voyez, c'est la mentalité à avoir. Pas tous. Personne ne leur a dit ce qui les attendait. Sam et moi, on aurait pu les aider. Ça se reproduira pas. T'as pas pour autant les raisons de te sentir coupable, selon moi. Tu n'étais pas en mesure de les aider, donc... Voilà. Message pour Nick... Ah oui, ça j'ai déjà vu. D'accord, tout ça j'ai déjà vu. Du coup... Y'a rien d'autre qui soit allumé ou n'importe quoi. Non, d'accord. Suite. Non, je t'ai pas demandé de bouger, tu restes avec moi. Voilà, venez les filles, y'a pas de soucis. On y va. C'est dommage que cette porte... Oh, arrête de te cogner sur les bancs. Dommage que cette porte soit complètement refermée, ça ne vaut pas le coup. Les portes intérieures pourraient peut-être rester ouvertes, au moins quelques temps. Le temps qu'on est dans le bâtiment. Hop. Oula. T'as pas voulu monter. Tu veux toujours pas. Voilà. D'accord. Réquisition spéciale, véhicule éclaireur tout terrain. Ah ! Six roues motrices, micropropulseur, tout ce qu'il vous faut. L'initiative n'en a construit que quelques-uns. C'est sûrement le véhicule dont parlait Clancy. Le conteneur nécessite le code d'accès d'une station avancée. Les stations avancées font office de poste de ravitaillement d'urgence. Plusieurs d'entre elles sont actuellement en orbite. Je peux en faire descendre une, mais il faut qu'on trouve un bon emplacement. Hop. Attends, on en voit partout des nomades. Attention. Enfin bon, on va continuer à visiter la zone. Crac. Oula, cinématique. Why not? Tiens donc,
Le centre de recherche de l'avant-poste est toujours intact. Je préviens le Tempête de cette récupération cruciale. La recherche a toujours été essentielle pour l'initiative. On en aura besoin ici aussi. C'est capital pour la suite. Cette technologie, c'est ce qui nous permet de survivre dans Andromède. L'ingéniosité sur le terrain. Quelqu'un d'autre est du même avis. Ce centre de recherche a été utilisé récemment pour surveiller le signal alien. D'accord, intéressant. On a les outils nécessaires pour trouver la source, et peut-être d'autres personnes qui la cherchent. Alors là, je suis sur le cul qu'ils me disent qu'il y a quelqu'un qui était là récemment. Parce que ça veut dire qu'il y a une personne... Ah non, c'est le saut, je croyais que c'était pris une balle. Profil connecté Adriano Fonesca, contremaître en chef. J'ai essayé à nouveau aussi la tâche pour les abris aujourd'hui. Il faudra attendre la prochaine tempête pour voir si ça tient. Au moins, ça nous aidera sûrement à retrouver les morceaux. Shorty essaie de nous convaincre d'évacuer et de retourner sur le Nexus. Trop de guerre, pas assez d'eau, aucun espoir, qu'il a dit. Je préfère encore vendre du matériel et dormir sur le pont plutôt que de passer une nuit blanche de plus à écouter les tempêtes dehors. Il n'a pas tout à fait tort. J'ai aussi songé à partir quand les cartes ont eu leur ont eu 3 de mégas. Je lui ai posé la même question que je me suis posée. Est-ce que le Nexus a quelque chose à offrir aux colons? Et c'est pour EOS qu'on est venu? Non. C'est EOS ou rien. Fin l'enregistrement. Là, c'est un peu plus désespérant, si je puis dire. Transmetteur à Sari. D'accord. Ok, tout prendre. Avant d'aller voir terminer, on va voir le conteneur. Élément 0, génial. C'est ultra rare. Et on va aller voir le terminal. Enfin, activer les relais d'alimentation. Parfait. La station de recherche est activée. J'ai dressé une liste d'armes que nous pouvons fabriquer en rassemblant les composants nécessaires. Le crafting, d'accord. Recherche ou développement, quelle est là? Recherche, découvrir de nouveaux plans et amélioration grâce aux données de la recherche, des airs obtenus, de nouveaux objets et optimisation. D'accord, on va commencer par la recherche, ça me semble intéressant. Oui, ça me semble logique, c'est toujours été... Hyper gardien. Ouh. 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 Brassard N7, casque... Ah, non, le vrai. Ah, oh, ouh. Ok. Brassard de fusion, Kert. 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 Je suis pas fan de ça, par contre, hein, je veux pas dire, mais... D'accord. Non, je voulais pas le faire, hein, je l'ai pas fait, vous inquiétez pas, mais c'est juste que il y a le menu en fait qui m'empêche de voir ce que c'est. Arme, impulsion électrique. D'accord. Plastron, étourdir les ennemis au cargo. D'accord, ok. Régulo stabilisateur. D'accord, c'est intéressant, il y a plein de choses. L'hyper gardien, c'est quoi la tronche que ça déjà? Le casque. Ah ouais, il est beau le casque. L'armure aussi, cela dit. Ok. L'armure N7 est magnifique aussi. Hein. Faut... N7-1, N7-2, N7-3, mais c'est le même. D'accord, c'est exactement le même avec des niveaux différents. Ok. Je commence à comprendre plus ou moins comment ça marche. D'accord, et juste pour voir, santé maximale, bouclier maximo, d'accord. Ok, vous voyez qu'il me faut des fibres, des cailles, du nickel, du titane. Ok, c'est intéressant, c'est pas mal, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de choses à faire. Par exemple, imaginons, je veux construire un fuite de précision Viper 1, plan ordinaire, plan peu ordinaire, d'accord. Actuellement, j'ai ça. D'accord, donc je vais rester avec ça moi pour l'instant. Corps à corps, voilà. Imaginons, je vais mettre l'amphibiotique. Je pourrais le construire, semble-t-il. Souvent ahurissant, d'accord. Imaginons, je le construis. Amphibiotique.
On va rester le nom pour l'instant. Tant qu'on sait pas ce que c'est, la première essai, on fera les noms classiques. Ok, imaginons que je peux construire des armures, j'imagine aussi. D'assaillants dissidents, d'accord, ok. Ok, ok, pourquoi pas. Inconnus, forcément, je ne les ai pas. Objets spéciaux, aucun plan spécial. D'accord, c'est pas mal. Donc, en fait. Maintenant, si je vais dans mon inventaire, dans le corps à corps, je peux pas l'équiper, c'est ça? Parce que je ne peux pas encore équiper, parce que je n'ai pas de zone d'équipement ici. Il faudrait pour ça appeler une station avancée, éliminer les radiations atmosphériques. D'accord, meilleur départ. Ok, on y va. On y va, on y va. 80 mètres à faire, c'est pas excessif. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Pour observer. D'accord. Ok. D'accord. On dirait que les réserves de la station avancée sont intactes. Donc là, je peux aller là-dessus, voilà, et changer ça. Omnilam, par exemple, je veux passer à ça. Imaginons. Imaginons. Mode. Voilà, je remets les mêmes que sur l'autre arme, parce que c'était ceux qui me semblaient intéressants. On verra bien. Donc là, du coup, quand je sors ça... Attendez. Il veut pas que j'utilise là tout de suite, parce que je ne suis pas en combat. Voilà, d'accord. Ça me fait un espèce de point bleu qui va très très bien avec le reste de mon équipement. Ok, j'apprécie. J'apprécie. Ok, dévorer le contenu du nomade, active terminal, démarrage du protocole de station avancée. D'accord. Tout un tas de choses. Ok, pourquoi pas. Et ici, c'est rien du tout, on sait rien. Donc là, je peux rejoindre le... Ah d'accord, c'est dans ça. C'est parce qu'elle est présente sur la planète, ou en tout cas dans la station 1, que je peux... déclencher le truc. Via la commande ici. Ok. Ça me semble logique. Ça... D'accord, pourquoi pas. Ça a l'air sympa en tout cas. J'aime bien. Ça a de la gueule. Sirop-motrice, tu dis ? Suspension améliorée. Allez comprendre. Avant ça. Parce que je sais que je débloque des choses, des machins, des trucs. Équipement, j'imagine. Voilà, imaginons, je vais aller là. Roi Midas. Alors attendez, Roi Midas, c'est quoi? Oh, il est joli. D'accord, on va en prendre celle-là. D'accord. Terminal, et ok, on n'a plus rien. Ok, du coup ça a changé sa couleur immédiatement. Ah, c'est doré. D'accord, je voyais tout noir, moi. Je voyais un noir brillant, chromé. Mais c'est doré. Ah, c'est moins beau, du coup. On va le mettre parce que c'est pimp, mais... voilà. Hein. Ouh. Interface minière. Nomade devrait pas avoir de soucis. Vous pouvez vérifier la marche avant et la marche arrière. Marche avant. Marche arrière. Grosse suspension, petite suspension, c'est ça? D'accord. Et donc, D'accord. Apparemment, j'ai pas d'adhérence. C'est trop raide. Passez en sirop motrice. Vous serez en haut en un clin d'œil. Hein? Parce que j'étais pas en sirop motrice avant? D'accord. Pensez aux micropropulseurs du nomade. Ils vous aideront à franchir la plupart des obstacles. Si vous avez besoin de mettre le turbo, les amplificateurs vous donneront un bon coup de jus. J'ai trouvé. Okay. Le signal vient de cette structure, devant nous. Ok. D'accord, structure, effectivement. Oui, je capte, je cautionne. Je suis d'accord, je vois la structure. Conditions sûres. Donc c'est pas débile comme construction. J'appuie sur X mais c'est pas le bon bouton. J'en sors avec Y je pense. Oui, parce que de toute façon j'ai les phares ici. Ok.
Ok, d'accord. Ok, je prends. Bam. Bim bam boum, on y va. Ascension en cours. Quoi? Quoi? Comment ça, ascension? Sortie d'atmosphère. RAS. Quand il parlait d'extraction, c'était pour sortir de la planète. Ok. On est à 45 000 épisodes, les amis. En tout cas, nous, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Et yop!